Bonjour à tous et bon dimanche. Excellente journée en perspective puisqu'on est sous l'influence et la protection des hautes pressions. Ça signifie du beau temps, mais toujours un risque orageux qui va se développer durant l'après-midi vers le relief des Pyrénées, également les Alpes du Sud, sinon ailleurs généralement du beau temps avec un petit vent sensible vers le bord de Manche de 40 km/h à 50 en rafale. Ensuite, place aux températures de cette journée, 22 degrés attendus vers Cherbourg jusqu'à 33 à Nîmes. Ça continue de grimper généralement ces prochains jours. On va continuer avec l'influence de l'anticyclone. Journée de lundi, le risque orageux déjà présent le matin vers le relief des Pyrénées. Et pour seul vrai changement durant l'après-midi, c'est l'arrivée d'une perturbation qui va voiler le ciel entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Mais concrètement, place aux températures de cette prochaine nuit en hausse par la partie sud. On compte de 8 à près de 23 degrés. Durant la journée, c'est l'inverse. On aura une hausse plutôt sur la moitié nord avec une fourchette de 22 degrés à Brest jusqu'à 34 à Nîmes. Ensuite, on va avoir l'influence de la perturbation. Elle va venir ici sur la partie nord-ouest avec beaucoup de nuages, très peu de pluie. Ça reste protégé, mais toujours un risque d'orage vers les Pyrénées, les Alpes du Sud et le nord-est de la Corse. Ensuite, mercredi, elle s'évacue cette perturbation. Place à nouveau à du beau temps, mais un petit peu de fraîcheur. Dans quelques instants, voici le journal présenté par Anne-Claire Coudray. Bon après-midi.